toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne si c'est la première fois que vous venez. Et sinon, on espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce joli châle mère-fille. Vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire pour votre fille, vous pouvez le faire pour votre maman, voilà. Alors, il y a deux modèles, enfin, ils sont identiques, hein, les deux. La seule chose qui est différente, c'est le... les franges. Voilà, les franges, il y en a un qui a des franges et l'autre qui a des pompons. Mais c'est exactement le même maillage, en fait. Oui, voilà. Et c'est un spécial mère-fille. Alors j'ai utilisé de l'acrylique, c'est des pelotes que j'ai achetées chez Action. J'ai acheté 4 pelotes, les pelotes elles sont de 100 grammes. J'en ai acheté 4 et j'en ai utilisé que 3. Donc c'est très économique et c'est hyper rapide à faire. C'est très joli, ça fait un peu bohème, un peu bobo, boho, tout ce que... Si vous voulez. Bon. Ce qui commence par B. Ouais. Et c'est super, super doux, c'est agréable au toucher et... ça pique pas, c'est bien pour les enfants quand ça pique pas. Oui, parce que moi j'aime pas quand ça pique. Et c'est un spécial mère-fille et donc vous pouvez le faire de plusieurs couleurs aussi, c'est pas obligé que ce soit en blanc. Oui. On a choisi le blanc mais c'est pas obligatoire. Et vous pouvez faire blanc avec des détails de couleurs, les pompons, oui, ou les franges de couleurs par, oui, exemple. Oui, ou faire... tout d'une seule couleur, oui, ou de plusieurs couleurs. Oui. Mmh. Oui, c'est vrai. Et si vous voulez suivre le tuto, à tout de suite. Alors, vous allez avoir besoin de fil d'acrylique. Celui-là, c'est un 100% acrylique. Chaque pelote fait 100 grammes. Je les ai achetés chez Action. J'ai acheté 4 pelotes, en fait, donc 400 grammes. Et avec la première pelote, j'ai fait celui de ma fille. Donc, je pense que je vais utiliser que 2 pelotes pour le mien. Mais au cas où, je vais garder les 3 si j'ai envie de me faire un très grand châle ou... Enfin, je vais voir. Vous allez avoir besoin alors d'un crochet d'une taille de 6,5 mm. Ça, je vous le laisserai dans le descriptif de ma vidéo. Je vous laisserai le lien d'Amazon. C'est le site dans lequel j'ai acheté ces crochets que j'adore. C'est des crochets Suzanne Bates. Je crois que c'est américain, même si c'est écrit Mexico dessus. Vous allez avoir besoin d'aiguilles à tricot et d'une paire de ciseaux. Dans ma vidéo précédente, je vous expliquais qu'il y avait plusieurs façons de commencer un châle, sachant qu'un châle, c'est toujours de forme triangulaire. Celui-ci, on va le commencer, vous voyez, il y a le grand côté ici, et là, il y a les deux petits côtés. Donc, on va commencer par le milieu, et on va aller en l'agrandissant, l'agrandissant, l'agrandissant. Donc on va agrandir des deux côtés. Il y a un motif central et on part de ce motif central. Moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc 21 rangées pour le châle de ma fille. Je pense que pour moi je vais le faire beaucoup plus grand. Je vais vous montrer bien sûr le motif sur quelques rangées. Et ensuite, il suffira juste de répéter ce motif jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez de châle. Il faut tenir en compte qu'il y aura une finition. Ces finitions, c'est 4 rangées de finition. Il y a 2 rangées de mailles serrées. Et puis après, il y a 2 rangées où on va utiliser les brides. Donc voilà, il faut tenir en compte juste cette épaisseur pour que vous arrêtiez le châle pas trop grand non plus. Et puis bien sûr, je lui ai mis des petites franges, c'est le côté, moi j'aime bien ce côté un peu beau. Et voilà, sinon le reste, vous voyez, c'est de la maille, on dirait un peu... une toile d'araignée. Et c'est très joli. C'est parti!
Nous allons commencer par monter une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Puis nous allons faire une maille coulée dans la toute première maille en l'air. Nous avons créé un petit cercle dans lequel nous allons travailler. Et on va monter 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. Ici, nous allons faire une deuxième bride. Puis, une maille en l'air, à nouveau 2 brides. Une bride, puis une deuxième bride. Et là, nous allons monter 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air seront le milieu pile de notre châle. Ensuite, à nouveau, 2 brides. Puis, une maille en l'air et à nouveau, 2 brides. Une et deux. On va serrer ici. Hop. Nous avons ici donc le milieu du châle. D'accord ? Maintenant, on va agrandir ici, pareil que de l'autre côté. Ça va être un miroir. Vous avez ici le centre. D'accord ? Vous voyez ? On a le triangle ici du châle. Pour ce deuxième tour, nous allons monter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va tourner comme ça. Et dans la maille serrée ici, dans la maille en l'air, pardon. Dans la maille en l'air ici, entre les deux groupes de deux brides, on va faire une maille serrée. Puis au milieu, dans nos deux mailles en l'air du tour précédent, on va toujours faire la même chose, c'est-à-dire deux brides, une et deux. Puis une maille en l'air et à nouveau deux brides, une et deux. Et ça, c'est l'augmentation d'un côté, on va dire, de ce côté ici. On fait les deux mailles en l'air centrales. Puis, à nouveau, 2 brides, 1 et 2, suivi d'une maille en l'air, et tout ça, bien sûr, dans le même espace de 2 mailles en l'air, des 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides, 1 et 2. Puis, comme un miroir ici, on a fait une maille serrée dans la maille en l'air. Ici, on va faire une maille serrée dans cette maille en l'air, puis 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et ici on va faire une bride dans la troisième maille en l'air ici. Vous les voyez de dos, 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, c'est-à-dire juste après la bride, la dernière bride, on fait une bride. Pour le tour suivant, on va monter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va tourner ici et dans, vous voyez l'arc ici, des 5 mailles en l'air du tour précédent, on va faire une maille serrée. Puis 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire une maille serrée dans la maille en l'air ici, entre les deux groupes de... un groupe ici de deux brides et un deuxième groupe ici de deux brides. Donc dans la maille en l'air ici, on fait une maille serrée. Puis au milieu ici des deux brides, comme le tour précédent, on va faire deux brides. Une, deux... une maille en l'air et à nouveau deux brides. Ici, on fera toujours la même chose. Une bride et deux brides.
puis deux mailles en l'air, une et deux, et à nouveau deux brides, une maille en l'air, deux brides, une bride, deux brides, une maille en l'air, et à nouveau deux brides dans le même espace toujours, une et hop, deux. Puis ici on va faire comme le miroir de l'autre côté, une maille serrée dans la maille en l'air entre les deux groupes de deux brides, puis 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans l'arc, ici, de 7 mailles en l'air, puis à nouveau 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et on va faire une bride dans la troisième maille en partant d'ici. Hein. Vous voyez, on va partir de ce côté ici. On va compter 1, 2, 3. Et là, on va faire une bride. Vous commencez à comprendre le dessin. Là, on commence, vous voyez, à monter l'étoile, on va dire la toile d'araignée, toujours avec ce centre ici, qui se compose toujours de la même façon. Deux brides, une maille en l'air, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, une maille en l'air, deux brides. Et ici, à chaque fois, on démarre par une chaînette de 7 mailles en l'air, et ensuite, c'est 5 mailles en l'air entre les arcs. Je vous montre une dernière fois le dernier tour et ensuite on continuera comme ça jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. Donc 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne ici et dans le premier arc ici, on va faire une maille serrée, puis 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le prochain arc ici, une maille serrée, puis 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille serrée ici, dans la maille en l'air, entre les deux groupes de deux brides. Voyez ? Ici, deux brides dans l'espace des deux mailles en l'air. Une et deux, une maille en l'air et à nouveau deux brides. Une et deux, puis deux mailles en l'air, une, deux, et dans le même espace, à nouveau deux brides. Une et 2, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. 1 et 2. Et là, une maille serrée dans la maille en l'air ici, puis 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arc suivant. Puis 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arc suivant, puis 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine par une bride dans la troisième maille ici, en l'air, 1, 2, 3. Et voilà les amis, maintenant il ne nous reste plus qu'à continuer à crocheter et à agrandir le châle. Nous on se retrouve tout à l'heure quand on aura bien avancé. N'oubliez pas de laisser un espace, compter quelques centimètres ici pour la bordure de tout à l'heure. A tout de suite! Voilà les amis, moi j'ai terminé, j'ai fait 32 rangées. Voilà le résultat. Maintenant, on va faire la première rangée
des quatre de la finition. Vous vous souvenez, vous avez parlé des quatre rangées en plus ici, que du côté ici, de ce côté-là et de ce côté-là. Donc des petits angles, enfin des petits côtés, je veux dire. Alors, pour ce premier, cette première rangée, on va faire une maille en l'air ici. On va tourner. Voilà. Et on va faire 6 mailles serrées dans chaque anneau. D'accord? Donc ici, on va faire une maille serrée, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis on va dans l'arc suivant et on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va faire ça donc jusqu'à arriver à la pointe et je vous montrerai ce qu'on fait. Quand on arrive ici à la pointe du châle, nous nous retrouvons avec les deux brides, la maille en l'air, les deux brides, les trois mailles en l'air, les deux brides, la maille en l'air et les deux brides. On va faire 2 mailles serrées sur les deux premières brides, donc une maille serrée dans chaque bride. 1 et 2. Dans la maille en l'air ici, on fait une bride, enfin une maille serrée, pardon. Dans les deux brides suivantes, une maille serrée dans chaque bride. 1 et 2. Et ici, dans les deux mailles en l'air, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Puis là, pareil, on va faire 2 mailles serrées dans les deux brides suivantes, une maille serrée dans chaque bride, puis une maille serrée dans la maille en l'air, et à nouveau, une maille serrée dans chaque bride qui reste. Et là, on reprend les 6 mailles serrées dans les arcs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on repart du coup jusqu'à l'autre pointe du châle. Et voilà les amis, j'ai terminé ma 6e maille serrée ici au bout. Et on va refaire une rangée de mailles serrées. On va commencer par une maille en l'air et on va tourner dans la... Ici, tout de suite, dans cette maille serrée, on fait une maille serrée. Et donc, on va faire une maille serrée dans chacune de nos mailles serrées. Tout simplement, jusqu'à arriver à l'autre bout du châle. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà, on a terminé ici le deuxième tour et on va faire le troisième. On va commencer par 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. On tourne l'ouvrage et ici, dans le même espace, dans la même bride, on va faire une deuxième bride et une troisième bride. Donc, 2 brides de plus. Puis, une maille en l'air. On va sauter les 3 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait 3 brides dans la même maille serrée. 1, 2 et 3. Puis maintenant, on va faire ça tout le tour, même dans la pointe du milieu. Ici, on va faire exactement ce que je vais, enfin ce que l'on vient de faire, c'est-à-dire
une maille en l'air, on saute 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et dans la quatrième, 3 brides. 1, dans la même maille, 2 et 3, d'accord? Une maille en l'air, on saute 3 mailles serrées, dans la quatrième, 3 brides, dans la même maille. 1, 2 et 3. Et ça, donc jusqu'à arriver de l'autre côté du châle. Voilà, on a fini ici la troisième rangée et on va s'attaquer à la quatrième et la dernière rangée. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On tourne et on va faire 3 brides dans l'espace à chaque fois de la maille en l'air et une maille en l'air de séparation. Donc dans la maille en l'air ici du tour précédent, on fait 3 brides, 1, 2 et 3, puis une maille en l'air et on va dans l'espace ici, la maille en l'air suivante. On fait 3 brides, 1, 2 3, une maille en l'air et ainsi de suite. On va continuer comme ça jusqu'à arriver à l'autre extrémité du châle. À tout de suite. Pour les franges, vous allez couper 3 fils d'à peu près 30 cm. Et vous allez les plier en deux. Et à chaque endroit là où il y avait la maille en l'air, vous allez passer le fil. Et vous allez ramener dans la boucle ici tous les petits fils. Et voilà. Et voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé, likez, n'oubliez pas de partager, commenter, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!